Et salut à tous, on se retrouve pour la deuxième partie de notre tuto peinture, donc que j'avais commencé il y a 2 semaines. Et on va s'occuper aujourd'hui de l'équipement et du socle. Donc l'équipement, ce qui entend l'épée, enfin les sabres, les boucliers et les arbalètes à répétition. Donc pour commencer par l'équipement, on va d'abord faire en série les boucliers et les sabres. Parce qu'ils sont très proches sur la grappe, c'est pour ça que j'ai décidé de les faire en série. Donc on commence tout simplement une couche de Cornred sur le rouge. Donc diluez bien votre peinture. Et évidemment, je les avais sous-couchés en noir. Et on passe une couche de base de Scorched Bronze sur le marron et de Ashes Copper sur tout ce qui est doré. Donc voilà des couches de base toutes simples. Donc vous pouvez aussi corriger avec votre rouge les endroits que vous avez mal fait. Et donc en Scorched Bronze, il y a aussi donc les poignées des sabres qui sont à faire. C'est assez important. Ensuite, on va faire tout ce qui est les contours du rouge en une oil. Donc les contours du rouge avec le rouge. Et on passe un lavis de Reclaim Flash Shade sur tout ce qui est rouge et doré. Donc le style Legend Ram n'aura pas besoin de. Donc voilà, et on passe donc à de l'Evil Sun Scarlet sur le rouge pour l'éclaircir. Voilà, du Runefang Steel sur les arêtes du doré et du Steel Legend Ram sur le marron. Donc voilà tout simplement le rendu qu'il faut avoir, le genre d'éclaircissement que ça fait sur le rouge. Vous voyez là sur cette photo, c'est un petit peu moche parce qu'avec le flash ça rend pas très très bien. Mais vu que ce sont des petits équipements, c'est un rendu très satisfaisant. Donc voilà, faites vraiment bien les contours seulement en une oeil, hein, c'est pas plus important que ça. Et donc là, vous voyez le stylet Jandrab sur le marron. Tout simplement, des éclaircissements d'arêtes, étant donné que ce sont des objets assez tranchants au niveau de leur forme. Donc voilà ce qu'il faut faire. Ensuite, pour ce qui est de l'arbalète à répétition, donc, je les ai faites une par une. Vous pouvez les faire en série, mais vu qu'elles ne sont pas sur les mêmes grappes et au même endroit, c'est pas très pratique. On commence par du XV88 sur tout, comme couche de base. Alors, je n'ai pas peint comme sur les figurines, les vraies figurines. On passe un lavis d'Agraxer Shade. Donc, si vous voulez les peindre selon Game Workshop, allez regarder. Je crois pas qu'ils ont fait de tutoriel au-dessus, mais vous pouvez aller regarder les photos. Et on repasse de l'XV88 par-dessus pour refaire les contours. C'est une étape importante. Hein. Vu que c'est des surfaces assez planes, ça ne mérite pas de laisser de la vie partout. Et on fait du Desclavon Brown sur les arêtes, tout simplement pour éclaircir. Pour le rouge, donc ce qui est à l'intérieur, là, je l'ai fait en rouge, en corn red, tout simplement. Et le doré en Ashes Copper, donc la même couleur pour le bouclier, tout simplement. Hein. Il n'y a pas de raison de compliquer. Et d'ailleurs, ça va être la même couleur pour la troisième partie. Et vous passez un lavis de Highland Flash Shade sur les deux couleurs, donc le doré et le rouge. Et enfin, on éclaircit tout simplement le Ashes Copper avec du Runefang Steel. Ça va faire un peu briller le doré, qui est un peu pâle à la base. Le rouge, on l'éclaircit pas parce que c'est vraiment que de la. C'est une matière assez en profondeur, donc pas besoin d'éclaircir. D'ailleurs, il n'y aurait rien à éclaircir. Donc voilà pour ça. Et pour ce qui est du socle, donc je l'ai fait assez. J'ai fait quasiment la même méthode qu'avant, mais pas exactement la même. Donc on commence par du Stirling Mud en grande quantité, j'en ai mis vraiment pas mal. La peinture texture donc. Et la chose dorée, je l'ai faite en Ashes Copper. Donc c'est un petit bonus. Ensuite, j'ai brossé à sec la chose dorée avec une peinture métallique. La peinture de base, je ne m'en souviens plus. Et j'ai brossé à sec avec du Codex Gray sur tout ce qui est texture. N'oubliez pas de le laisser bien sécher. Ensuite, j'ai passé un lavis, donc je pense, de Agraxer Shade sur le doré. Et j'ai brossé à sec en Tyrant Skull, une deuxième fois, sur tout ce qui est le socle. Ensuite, j'ai appliqué de l'herbe, tout simplement. Alors, ils ne vendent plus l'herbe désertique que je mettais avant, donc je mets de l'herbe sèche. Et j'ai éclairci les arêtes de la chose en doré avec du Runefang Steel.
Donc, si vous voulez savoir, le truc doré, c'est un bonus qu'on obtient. Je crois que c'est le haut d'un dernier étendard d'un infolance. Donc voilà. Donc un petit bonus. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve d'ici quelques semaines pour la partie 3. Donc la figurine, enfin le cavalier. Donc je vous dis salut et à plus. Abonnez-vous si ce n'est pas fait. Likez la vidéo si ça vous a plu. À plus tard.